Record. Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Tout de suite, un Judas en normal voté à 42,9% par le chat. Et c'est parti. Attends, j'ai oublié de faire le fondu enchaîné pour enlever le sondage. Ah voilà, parfait. C'est parti. Alors Judas... Ah, une Black Candle? Ah ouais? Oh putain, la Black Candle dans la curse, j'ai pas encore trouvé ce moment incroyable. Un jour peut-être, mais c'est pas encore arrivé. Alors. Judas, un seul cœur hein, pour Judas. Autant dire que c'est que du bonheur. Ça va, vous avez la musique? Pas très forte la musique. Peut-être mettre un poil plus fort la musique? Ah oui, mais c'est la fin de la piste. Avec une chanson plutôt chill. Allez, c'est parti. Moi, je pense que ça, c'est le run du siècle. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça, lui, il a le book, je sais pas quoi. Ok, vous quoi. Fort bien, fort bien. Je le touche juste pour l'activer et je me casse. C'est le Book of Belial du coup que j'ai là. Je pense que les fois où je galérais avec Judas, c'est que je l'avais pas assez utilisé. Je pense. I think so. Un peu de thune, ça le fait. Voilà, bon, curse, on va peut-être éviter les embrouilles. Sale d'item. Ah, Fire Concussive Tears. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Concussive? Concussive? Traduction en français. Onde de choc. Qui veut tout et rien dire. Bon, de toute façon, j'ai 6 coins, on va reroll. Hein. 25% damage, observe maximum life. Bah, c'est pas mal, ça. La paille. En plus, les pailles vont être bientôt interdites. Non, c'est chiant. Ah ouais, c'est nul. C'est ouf, ça. Pourtant, ça avait l'air de sonner bien, quoi. Ah oui, mais si je le prends, ça vire mon Book of Belial. C'est ça. C'est ça, c'est le Book of Belial que j'ai. Oh! Ah bah ça, c'est bien, ça. Un mushroom. Un node mushroom. On prend, on prend. C'est le Book of Belial, ouais, c'est ça. Bah. Je peux pas prendre le cœur. C'est quoi ce bordel? Ça. Oh là là, mais qui m'emmerde. J'ai pas le... Ok. Ok. D'accord. Ouais, d'accord. Intéressant. Bon, début de run, pas forcément dégueulasse. Ouais, je pourrais tenter la super, mais quelque part... Alors, le petit corps, là. Oh non, ça. Heureusement que c'est le premier étage. Qu'est-ce qui me fait apparaître? Un petit else-up. Toujours bon à prendre. Le cœur, on se casse.
très bon DOU de run, surtout. Ouais, ouais. Pas bien les champis, la drogue c'est mal, vous voyez. Non, mais ça va bien se passer. Franchement, ce run... De toute façon, là, vu l'heure qu'il est, vu l'heure jusqu'à laquelle j'avais prévu de live, je pense qu'a priori... Bon, si jamais vous êtes plus de 300 viewers, je stream jusqu'à 18h. Truc improbable, tu sais. Une seule bombe, je vais pas risquer ma vie. Oh putain! Mais le mec, il fait... Non mais attends, l'araignée qui fait un bond, qui fait la totalité de l'écran, c'est bon quoi. C'est bon quoi. I paid my due. Ceci dit, ça me protégerait. Ah, oh, je sais pas. Tiens, vas-y, on va se mettre du futur funk. Pour faire plaisir à Choco-chan. Bon, ils vont pas m'emmerder. Parce que là, avec les tirs classiques, j'en ai pour une heure. Franchement, je comprends pas les gens qui jouent en hard. Je me suis tellement fait violenter tout à l'heure. Tellement. Téléport to back. Ok. 4 coups durs. Trop bon. Okay. Ah c'est bon. Putain, c'est chaud quoi. Trop tard pour te protéger, t'as pris des dommages dans les cœurs rouges. Ouais. Bah ben voilà, je vais mourir. Voilà. Super! Super ma vie, quoi. Curse of Labyrinthe. Ouais, bah voilà. Non, c'est la mort. C'est la mort. Ah bah ok, bah, super. Parfait. C'est bon? On peut commencer? Qu'est-ce que c'est, ça? Random room. Ah ouais, je l'avais utilisé tout à l'heure. Voilà, on se casse. Putain, comment gâcher un run qui était quand même pas si mal parti, quoi. Des fois, je me déteste. Salut Kelly, comment ça va? Drop it. Oh. Ok. C'est compliqué. Hein. Très très compliqué. Ouais, un demi-cœur rouge. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ok. Oh, come on. One pick up of each kind. Ok. Ah, le bonbon, c'est quoi déjà? Spawn au Blood Donation Machine. Avec la carte. Bah ouais, super, je vais utiliser le cœur que j'ai pour ça. C'est bien. Thank you.
pousser les TNT sur les rochers. Oh, mais c'est compliqué, ça. J'ai deux clés, j'y vais ou pas? Allez, on y va. Super. J'ai bien fait d'utiliser deux clés. On restart. Non, non, mais ça va bien se passer, je pense. Alors, je vous propose un truc différent. C'est que pour cette partie... J'utilise le Book of Belial tout le temps, en fait. Dès que je peux. On appelle ça la technique de la loose. For shoes. Pick up your Sunday shoes. Oh là là, voilà, c'est la mort du run. Voilà, voilà. Oh, c'est bon, ça passe. Ouais, un petit sac plein de bombes. Chouette, chouette, chouette. C'est mercredi. Oh, des cœurs! Ça y est, le run peut commencer. C'est bon. Merci pour votre patience. On a eu un petit coup de flip, là, quand même. Hein. J'ai eu peur qu'on soit parti pour une spirale infernale. Hein, on appelle ça quand vraiment, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, c'est vraiment un run de merde. Hein. Et en fait... Et en fait, ça y est. On a deux cœurs. On a quelques sous en poche. Notre vie peut commencer. Petit coup de step flip, ouais. Oh là là, et puis là, je vais partir à Paris, quoi. Je vais partir à Paris, je vais pas jouer au jeu. Quel enfer. Tout le niveau que j'ai acquis pendant deux semaines là, va s'effondrer. Et Dieu sait si je suis devenue une PGM. C'est ton pomme ennemi. Ah, c'est le Dadison. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce qu'il est assez puissant quand même. Il est quand même assez puissant. Salut Twink. Non mais en fait j'aimerais bien mettre une autre musique. Ah ça c'est parfait. C'est chill. Pourquoi c'est si terrible d'aller à Paris? Bah parce qu'en fait j'ai pas d'ordinateur portable si tu veux. Donc en fait pendant une semaine je vais pas pouvoir streamer. Et je vais pas pouvoir non plus jouer à Isaac. Comprends-tu? Du coup, j'étais en train de me créer un niveau pas dégueu, et puis en fait, voilà, c'est déjà la fin. La piqûre, Festina, le cœur. Ah, je pourrais aller récupérer mon cœur rouge, je vais aller faire ça. Ah non, attends, il était derrière les roches, non? Pour ses familles et ses proches, gravé dans la roche. Allez! On l'a récupéré, c'est bon. Ah. C'est inutile de mentionner à chacun de tes posts tout geek. J'arrive à lire les messages même sans me mentionner, tu sais. Il n'y a pas une énorme activité sur ce chat. Et donc non, je n'ai pas de Switch. La piqûre nulle, mais si, c'est bien! C'est bien les piqûres. C'est bien. Oh putain les mecs! M'emmerdez pas. M'emmerdez pas, m'obligez pas à utiliser Bélial. Non mais qu'est-ce que c'est que cette salle? La salle aux mille mouches, on va appeler ça la salle aux mille mouches. Bon, il faut que je trouve quelqu'un chez qui squatter à Paris pour pouvoir... Alors ça peut être tentant d'aller dans la curse. Mais vu la chance que j'ai aujourd'hui, je propose de ne pas y aller.
permanente laser. Non ! C'est hors de question que je le reprenne. La dernière fois que je l'ai pris, ça avait été une calamité. C'est hors de question que je recommence cette erreur. Parce que le laser, il est bien sympa. Mais c'est 35% damage down. 35% down. Oh, la dernière fois, ça m'a niqué mon run. C'est hors de question que je le réutilise. C'est même pas négociable. C'est comme Guppy les 9 vies, là. Moi, j'appelle ça Guppy les 9 embrouilles, plutôt. Oh, putain. Oh, le trou noir qui se fait one shot, ça fait du bien, ça. Surtout après les merdes que j'ai eues, là. Franchement, ce run, je sais que je dis souvent ça, mais ce run, je le sens vraiment bien. C'est le running gag. Ouais, franchement, le daddy long leg, pas si mal, hein. Tout n'est pas si facile. Tu confonds avec TechX. Non, TechX, c'était bien. Ah non, TechX, c'était... j'aime bien jouer avec TechX. Maintenant que je sais l'utiliser, j'aime bien. Ça, c'est le permanent laser, 35% damage down. C'est bon, quoi. La dernière fois, tout le chat m'a dit « Ah, trop bien et tout. » Ah, putain. J'ai dit une. Je vais au shop ou pas? Est-ce que je vais shop? Attends, il y a la salle d'arcade. J'aurais pu aller à la salle d'arcade. Vite. Allez, on tente la course. Mais on fait ça juste pour déconner, qu'on soit d'accord. Ok, ok. Parfait. Une pièce et une bombe contre un cœur. Non, vraiment, ça valait le coup. Alors. Ok. Déjà, je récupère un coin gratos. Vu que je finirai pas ce run, je peux peut-être tout filer à la donation machine. Non, je vais attendre d'avoir 15 boules en stock. Ah, on se casse. Ah, attends. Ah bah non, pas du tout. J'étais sur le point de dire... Ah, crochet marque. Ah non. Non, pas du tout. Bon, ça, c'était l'étage de la chauffe. Et c'est à partir du prochain étage que ça commence. Ah ouais. Ouais. Ok. Ça passe. Health up, cœur gris, Devil Deal 100%, ça passe. Je casse les caca aussi, je trouve une petite pièce pour manger, s'il vous plaît. Ah ouais, ok, bon. Je suis sûr qu'il y aura deux coffres qui vont contenir des troll bombes. Oh, ok, très bien. Collier de Guppy, je prends. Collier de Guppy et de cœur. Ok. Ok. Waouh. Combien j'ai de bombes? Faudrait que je tente les salles secrètes. Oh là là, je suis en amnésia. Quel malheur. Quel malheur. Une vie gâchée. Une vie gâchée. A priori, le Devil Deal a quand même sa chance. C'est quoi ça, Morpile Zapir? Ça va me coûter deux bombes pour y aller. C'est pas très rentable.
dès que je le sens pas, book of Béa, là. Et voilà! La chauve-souris, là. Oh là là! Oh là! Oh là là! Quel enfer! Et puis alors, je commence à avoir faim, je vous raconte même pas, quoi. J'ai l'air teubé, je te jure, mon perso, là. Attends, je vais le prendre juste pour cette salle. Super Boeing, c'est quoi? Ok, super, c'était totalement inutile. Comment perdre tous ses cœurs? Qu'est-ce qu'il fait? Mais d'où il traverse la salle? C'est pas un guppy en plus, ça. Non, ça a rien à voir avec guppy. Le boing, c'est quoi? Ah, mais c'est pas du tout mes boulettes qui boing. Que dit le chat? Mademoiselle Nounours, bonjour à toi. Ça va, ça va. Ça va pas trop mal. Bon, on n'arrive pas à battre Mom, mais sinon ça va. La musique est forte, non? Personne me dit que la musique est forte, c'est qu'elle doit être pas si forte que ça. Je mets quand même un peu moins fort dans le doute. Ah, Revista Philo! Chrome User, t'es en... C'est quoi, tu fais du... Tu passes ton bac, c'est ça? Avoir le bac, c'est beaucoup plus important que de suivre mes streams. Si tu veux, je te time out. Allez, va réviser, Chrome User. Eh oui, c'est ça, sinon c'était les mouches. Alors, attends. Ah si, j'ai certaines de mes larmes qui rebondissent. Mais certaines seulement. Devil Deal à 36. Ok. On remercie la Dislongleg. Est-ce que je peux te suggérer un restaurant? Non merci Norida, c'est gentil mais non merci. Sac à PV quoi. En même temps, je suis à 372, c'est pas ouf hein. Ça serait bien d'augmenter le DPS à un moment donné. Ça serait pas la pire idée du siècle quoi. Ta-da. Tir chargé. Est-ce que ça peut vraiment être pire que ce que j'ai actuellement? Pas. Tir chargé, c'est bien. Allez, vas-y, on teste. Ah, mais ça fait un gros, une grosse tir. Ah ouais. Ouais, mais ça c'est bien quand tu sais l'utiliser. Remarque, avec le Daddy's Long Leg qui fait le travail pendant ce temps, c'est peut-être pas si mal. Ah oui, puis en plus de ça, il y a le rebondissement. Ok. Ah oui, d'accord, je peux l'utiliser. Ah non, d'accord, je peux mitrailler en fait. Ça, c'est quoi tout pile ça? Ah. Random familiar which look like a random cop baby. Will be randomized again every floor. De toute façon, j'ai pas assez pour l'acheter. Ah, j'ai très envie de le prendre.
C'est tentant, mais ça va pas remplacer mon Book of Belial. C'est ça, moi, que je me dis. Ah oui, d'accord. Ok. 39% des villes. Oh, come on. Screw you. Item du shop caca, ça fait pas de dommage, ouais. Ouais, ouais, le problème, c'est que si je le reroll, j'aurais pas assez pour acheter quoi que ce soit. Ah, je suis pas convaincue de ma vie, là. Je suis pas convaincue de ma vie. C'est fou, pourquoi aujourd'hui je me tape que des vortex? J'en avais aucun les journées d'avant. C'est un type d'ennemi qui s'est débloqué ou quoi? Les trous noirs là, c'est bizarre quand même. Tears down, oh, super, j'en avais besoin. Des clés, j'en ai. Hein. Top. Et le ver de terre. Oh, come on. Le tir improbable que ça a fait. Allez, c'est la mort. C'est la mort du run. Ça y est, c'est fini. Ah, c'est bon. Alors que du dubstep nous éclate les oreilles. C'est quoi ça? Kiss Me... Ah! C'est Kiss Me Tandy Girl. Putain. Vortex, c'est depuis Afterbirth Plus. Ouais, mais alors tu vois, Nanar Boiteuse, ce qui est étonnant, c'est que ces fameux trous noirs où il y a plein d'ennemis qui en ressortent, j'avais pas ça les jours d'avant, quoi. Et aujourd'hui, là, dans toutes mes runs, il y en a, quoi. Dans tous mes runs, excusez-moi. Ah ouais, Wizard, ouais. Ça permettra de casser plus rapidement tous les cracas. Ça. Summon Monstro for One Stomp. Ah ouais, non. C'est bien quand t'as rien, ça. Pff, ils sont pas ouf, mes items, là, quand même. Je suis pas convaincue de l'utilité de mon existence. Faudrait que je fasse une étude universitaire américaine. Et je paierai les ingénieurs avec de la passion et de la visibilité. Je pense que je vais faire ça. Sac à dos, c'est quoi? Tout activitem. Reveal map layout. Plutôt prendre ça. The map layout. Bon, et puis il faut qu'on se trouve les super secrètes, là. À défaut d'avoir un stuff digne de ce nom, tâchons de laver notre honneur. Bombe le marchand. Ah ouais. Ok. C'est une idée comme une autre. C'est une idée comme une autre. Super. J'aurais préféré une autre.
C'est quoi, plus 5%, c'est ça? Bon, il y a encore toute une partie qu'on n'a pas fait de l'étage. On croit encore au run craqué. Pourquoi pas? Reveal the map and show the icons. Useless. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je peux aller là, hein, ceci dit. Oh! Intéressant. Putain. Deux sous l'heurt. Ok. Je prends. Ok. Ok. Intéressant comme ça. Je peux peut-être même... Ah oui, pousse une bombe dans les pièces. Ah ouais, mais tu vois, j'ai pas le réflexe, moi, de ce genre de truc. Hein. Oh putain! J'ai quand même réussi à marcher dessus. Hein. Je suis balèze. Merci. Red Heart. Ah ouais. Red Heart Chili Pepper. Petit con. Allez, meurs. More drop from poop. On va faire ça. Ouais. Parce que finalement, j'ai assez peu. Ah ouais, mais alors là, la super secrète, je vois pas où elle peut être, en fait. Est-ce qu'une super secrète peut être en plein milieu d'un long couloir comme ça? Grande question, hein. Ah, le sac à dos. Ah, mais oui. Shop. Mais attends, le sac à dos, il y est encore, tu crois? Attends, on va voir. Ah bah ouais, ça serait craqué, ça. Parce que là, j'ai 27 coins. 27 coins sac à dos, effectivement. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Du coup, ça. Et du coup, c'était... Il était là-haut. Là-haut, sur la montagne. Ici? Non, là. Où est-ce qu'il était? Elle était où, la dent de monstro? À côté du shop? Je suis arrivée par là. Ah non, c'était dans la salle d'item. Ah mais oui, c'était la salle d'item. Ah ouais, du coup, je peux la prendre. Oh là là, mais c'est des techniques de fourbe, ça. J'aurais bien aimé avoir quelques familiers. Après, vous vous souvenez l'époque où on faisait des runs avec 5 ou 6 familiers, c'était bien. 72% d'Evil Deal. Ah bah voilà. Ah fuck! Putain, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Putain! T'as pas la place! T'as pas la place! Pourquoi j'ai pas utilisé mon book?
Oui, non mais attends, vous comprenez pas. Ok, je suis en vie. Je suis en vie, mais j'ai un demi-cœur. Et j'ai perdu la foi, tu vois. Quelle catastrophe. Ah ouais, non mais la dent de monstro, c'était très bien, c'était une bonne idée de le prendre. Et j'ai même pas pensé à utiliser le Book of Belial. Comment on fait pour switcher Book of Belial ou... En fait, c'est la première fois de ma vie que j'ai deux trucs dans mon inventaire. Comment on fait pour switcher entre les deux, tu vois? R2. Ah ouais, c'est R2. Bah c'est la première fois qu'il faut que je le fasse. Ah merde, elle sup. Ok. Ah ouais, ok. Something wrong. Tears up. Bon voilà, des fois se shooter c'est bien quoi. Voilà. Bon la cure, on va l'éviter hein. Non, je veux pas utiliser de la pâte de guppy maintenant, parce que je vais le regretter. The fuck? Ah bah c'est bien, on aura eu le générique d'intro et générique de fin, tiens. Lui, je lui propose d'aller se faire foutre. Ah mais attends, il y a une salle secrète. Vous croyez que je l'ai pas vue? Alors qu'en fait... Ah putain, t'imagines, finalement, je vais peut-être revenir dans la course, quoi. Ouais, je sais qu'il y en a un. Le problème, c'est que... Je suis pas... Oh, remarque, j'ai 10 bombes. Allez, un petit cœur. Oh là là, magnifique. Putain, t'imagines qu'en fait, je vais peut-être finir le run? Oh, merci Daddy Langleg. Ok. Oh, les petites araignées, ok. Et une troll bombe, double troll bombe, ça passe. Alors avant de continuer par là, je vais d'abord faire le haut. Je comprends pas tout. Non, moi non plus. Laissons-la jouer comme elle veut. Bah... Non, mais je... En fait, je sais que vous êtes en train de me dire des trucs intéressants.
Le problème, c'est que souvent, je comprends rien, en fait. Mais n'hésitez pas à me donner des conseils. Des fois, je vous écoute. Bon, des fois, je vous banne aussi. Ça, c'est marrant. Ces amis, pareil, hein, je les avais jamais vus avant aujourd'hui. Hein. Pilule rouge. On prend. Tears up. Ça passe. T'as que Pispo qui transforme un cœur rouge entre eux. Non mais... Laissez-moi. Un conseil, ne m'écoute pas. Ça marche, Zirman. Je note ça dans un coin de ma tête. Ah ouais. Ok. Mais putain, laissez-moi vous bomber. Quelle bande d'enfoirés. Ah. Rainbow Tears. Sauf que ça marche pas avec mon truc. Très bien. Ah bah du coup avec des stats qui changent à chaque salle. Oh là là, que du fun. Du fun en barre. Voilà, là je vais l'utiliser. Pourquoi ça marche pas? Putain, je me suis bombé la gueule! Ah! Je sais pas jouer à ce jeu. Je sais pas jouer à ce jeu. Qu'est-ce que vous m'emmerdez? Et si je vous bannais tous, tiens? Je vais peut-être faire un ban all. Vous savez qu'elle existe, la commande, hein, pour les administrateurs. Hein? Mais pourquoi j'ai un triple shot? C'est quoi ce bordel? Hein? Ah mais oui, c'est parce que j'ai le rainbow shot. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, cette histoire. Très, très compliqué. Non, on y croit encore. Bombs are key. Oh putain. Putain, ça peut être craqué. Ça, si t'as ça tout le temps, ça peut être craqué. Non mais j'ai pas prévu de mourir encore. Putain, c'est comme dans la vraie vie. Hein. Je suis très très mal barré. Mais j'ai pas encore prévu de mourir. Donc préparez pas encore la pierre tombale. Il me reste encore 2-3 trucs à faire sur Terre. Oh putain. Ok. Ah putain.
Ok. Qu'est-ce que ça m'apporte, ça? Ok, la merde. Pourquoi j'ai pas utilisé mon Book of Belial? Pourquoi? Pourquoi n'ai-je pas utilisé mon Book of Belial? Bordel de merde. Et si je vous disais à tous allez vous faire foutre, ce serait peut-être une bonne idée, non? Quelque part, on adore ce jeu. Qu'est-ce que c'est ce que j'ai pris? Qu'est-ce que vous prendriez à ma place? More drop from poops? Ou turn les... changer les coffres en coffre rouge? Parce que la dernière fois, ça m'avait été utile quand même. Ok. L'espoir René. Qu'est-ce que c'est? Lord of the Fly. Ok. Je prends ça. Ok. Putain. Ce run est improbable. Ce run est totalement improbable. Je sais pas quoi faire. Non, j'ai envie de faire le haut d'abord. L'improbabilité de ce run est épatante. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Full health. Vous savez quoi? On va faire un truc. De façon à vous prouver que ce run n'a aucun sens, on va faire un truc. Laissez-moi faire de la merde, d'accord? Oh putain, ça veut rien dire ce run. Qu'est-ce que je fais? Je le bombe? Je le bombe ou je me casse? Ouais, c'est juste pour vous montrer à quel point ce run ne rime à rien, quoi. Ah,
Merci pour le phono, Chamel. Bienvenue à toi. Oh putain. Ok. Je sais plus, il faut que je continue les sacrifices ou pas? Parce que là j'ai plus beaucoup de cœur quand même. Un dernier, c'est bon? Non, stop. Dites-moi tout. Un seul? Ouais, j'ai déjà lu ton message. Antoine, inutile de double poster, ça donne une fausse deuxième voix. On se casse. Il y a autant de gens qui disent oui que de gens qui disent non. Moi, je serais tentée de dire encore un. Ah oui, voilà. Alors, soit on a 7 cœurs gris, soit on a des pièces à foison. Le shop, il est où? Je connais pas les items, en fait. Ça, c'était une salle. Ah, mais non, mais celle-là, je peux pas rentrer dedans. Et là, c'était cette salle-là. L'absurdité du run. Ok. La salle bonus de boss. La salle bonus de boss. Quelle salle bonus de boss? Je sais pas de quoi vous parlez. Ah mais oui, vu qu'elle était fermée, maintenant elle est ouverte. Ah putain, mais tu vois, ça c'est des mécaniques de PGM auxquelles moi je pense pas, quoi. Ok. Ah putain. Il y a trois boss ou pas? Ouais, totalement. Un petit Loki des familles. Loki, c'est le pote un petit peu fou, tu sais, qu'on aime bien parce qu'il distrait l'attention en soirée. Nanar boiteux, plus de 1000 heures sur Isaac. Mais c'est normal. N'importe quel joueur a plus de 1000 heures sur Isaac. C'est la base. Ok. Ok.
Ça permet quoi? Moins 50% sur les shop items. Moi, j'ai envie de prendre ça parce que du coup, optimisation fiscale. Plus 3 coins. Et je fais un reroll. Je sais pas. Cochon ou pas cochon De toute façon, je vais le bomber en tous les cas. Reveal Secret Room, ça peut être pas mal. Lords of Blue Flies. Ça, je prends. Ça, je prends. Ok. To Hurt. Fully Charged Item. Ouais, non. Toutes les icônes de la map. Non. Encore. J'ai envie de prendre ça. Ouais, j'aime pas la boussole. Je reroll une dernière fois. Rah, je sais pas. C'est tout pourri, ça. Bon, bah, je reroll. Item de... Je peux prendre ça et le cœur gris, hein. Et on n'en parle plus. On va faire ça. Ça. Moi, je dis, c'est quand même de l'optimisation, là, ce qu'on a fait, hein. C'est quand même de l'optimisation fiscale. Ouais. Oh. Longueur statut effect. Oh putain! Oh putain, on se casse! Quelle bande d'enfoirés! Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un cheat code à faire? Genre, je prends la pâte, j'utilise mon cœur rouge. Ah mais non, parce que j'aurais plus mon slot. Ouais, non, ça marche pas. Ça aurait été bien si j'avais des slots. Mais j'en ai pas. Que faire? Je suis pas allée voir la secrète. Oh là là, je suis pas allée voir la secrète. L'enfer sur terre, quoi. Bon, le 100% d'Evil Deal me fait croire en de meilleurs lendemains plutôt. Ok. Alors, ouais. Cet argent est bien. On va retourner. Ah! Ah! Attends, on va retourner au shop. Oh. Putain, mais l'étage où on aura passé un quart d'heure, quoi. Un petit else up. Un petit else up à trois boules. De toute façon, je peux reroll. Hein. Je peux reroll, les gros items vont en coûter que 7.
Ah ouais, mais... Ah ouais, non, ça m'a pas marché. Allez, on va faire ça. Et puis tant qu'à faire, on va prendre une bombe. Allez, on se casse. Donc là, faut que je fasse gaffe. La salle juste avant le boss, il y aura une troll bombe qui va m'arriver dessus. Pourquoi j'utilise pas le Book of Belial? Putain, je me déteste! Je me déteste! Qu'est-ce qui cloche dans ma tête? Je suis perverti. Famille pour tous avait raison. Je suis totalement perverti par le système. Attends, qu'est-ce que ça a servi en fait? Les deux sacrifices que j'ai fait dans la sacrifice room, ça m'a servi à quoi en fait? Parce que la clé, je vais l'utiliser quand? Ah oui, c'est ça, j'ai pas la porte. J'ai la clé complète, mais j'ai pas de porte. On se casse. Quel enfer. Quel enfer. N'oubliez pas de sub. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les embrouilles à 100 sous de l'heure. Ok. C'est dommage. Meilleur tir, ça. Parfait. Parfait. Ok. Ah, un amateur de brouettes dans le chat. C'est vrai que ça défonce les brouettes quand même. On commence à parler là. En vrai, là, on commence à parler. Ça le fait, hein. On commence à avoir doucement un build. Il était temps. Hein. Vu l'étage dans lequel on est, les thunes, c'est trop bien, mais ça ne me servira à rien. Sauf si je chope l'item thune égale power. Putain, la faux, le sprite de la faux quand il est en taille max.
Embrouille à hockey choral, double monstro. On va essayer de s'en sortir. David Longlegs, là, c'est le moment, tu donnes tout. Et ça passe. Pas évident. Des petites bombes bonus. Alors on est vraiment sur un run de type intéressant. C'est vrai que là... Ok. Ha! Ah! Ok. Je vais peut-être juste l'utiliser pour récupérer le Soulert. Et je récupère, voilà. Oh non, non, mais je commence à comprendre comment fonctionne le jeu. Ce qui me manque maintenant, c'est du talent. Ok. Très bien. Très bien, ça je prends ça. On va s'emmerder hein, au bout d'un moment. Allez voilà. Comme ça, pas de regret. Niveau bombe, je suis un peu just. Ok, super! J'ai réussi à pas me faire toucher, c'est déjà ça. Balls of Steel! Ha! Tu vas voir que je vais réussir à le finir, ce run. S'il y avait une chose est sûre, c'était que j'y croyais pas. Et pourtant... Et pourtant... Oh ! Tiens. Ok. Très bien. Flight et Holy Dash. Bah en fait non, finalement. Le coup des dashs, on s'en fout quoi. Si? Ah ouais, vu mon niveau de merde, vaut mieux garder ça, quoi. C'est quoi, ça c'est l'étage de Mom's Heart, c'est ça? Salut Gabe Garcou. Ah oh, putain. Est-ce que j'utiliserai pas ma patte pour me vider et avoir plus qu'un cœur rouge? Et comme ça, ça me permet d'aller dans la salle de un truc. Peut passer lui. Mais putain, mais j'hallucine.
Ah, c'est réellement des trous noirs, quoi. Ah, je sais pas, l'esprit spectral, hein. Ça, c'est con. Ok. Ah oui, salle d'arcade, parce que de toute façon, il n'y aura pas de shop. Ok. Super secrète, on va aller voir. On va se dire pourquoi pas. On va laisser le bénéfice du doute. Ok. Ah! On peut prendre, hein. Je suis pas sûre que ça soit très compatible avec ce que j'ai, mais... Ah oui, d'accord. Super secrète et secrète qui est directement là. Ah bah si, c'est avec les bombes. Donc si, en fait. Donc si, en fait. Pourquoi ? Salut, docteur Câble. Putain. Quel enfer. Ok. Spawn pool of slowing creep. Non, en fait, faut vraiment que je le dise, mais j'en ai rien à foutre. Allez, toi, c'est bon. Oh là 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 là! Putain, mais les runs d'endurance, quoi, j'en peux plus, c'est trop long! C'est trop long! Je suis en train de péter un plomb là. Filez-moi de la puissance! Mais non, il faut que je fasse les étages de façon complète, sinon j'apprendrai jamais rien dans ce jeu. Empty hall côté. Non. Et mathématiques, vu ce que j'ai là, ça serait débilos. Ok. Ok. Ça. Allez. Putain, il y avait un FDP qui était coincé dedans. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Ah. Ah. C'est assez inattendu. Ok. Super. Fallait prendre le compas et aller direct au boss. Mais je suis pas très compas, moi, tu sais. Bah, c'est quand même du gros niveau, là, ce que vous voyez. J'ai tellement aucune idée de ce que je suis en train de faire. Alors. Ah, c'est It Lives. Ah, on va peut-être le voir cette fois-ci. La dernière fois, on l'a pas vu.
Ah, c'est sympa les petits patterns comme ça, là. De toute façon, j'ai Daddy's Long Leg qui s'occupe de canarder tout ça. Ah, pas mal! Petit dodge. Ah, c'est cool ça comme pattern. Oui, la dernière fois, on n'avait pas eu le temps de le voir. Oh, c'est que du bonheur, quoi. Il est cool, ce boss, en fait. Ah oui, d'accord, il s'alimente avec les... Oh, merde! Il était fun comme boss, j'ai bien aimé. Très fun. Des jeux à venir qui me hype? Non. Je crois pas, non. Alors là, la lumière, c'est une mauvaise idée, c'est ça? Si je prends la trappe là, je vais voir Satan. Oh! Oh! Ah! Oh! Ok! Orbitals? Je peux prendre les trois? Ah non, c'est un. Qu'est-ce que je fais du coup? Trappe par terre. Ok. Putain, le run d'une heure et demie, on va pas s'en sortir. Hein. Oh putain, je vois pas mes cœurs. Oh, c'est parfait. On va se shooter. Bombes arcades. Pourquoi pas. Tears up. Je prends. Pheromones. Ok. Tears up. Je prends. Tears up. C'est parti. Ok. Ah, il y avait la salle d'arcade. Je suis pas allée dans la salle d'arcade. Bon, allez, on s'emmerde pas. On commence à avoir une petite puissance. Ça commence doucement, mais c'est timide encore, quoi. Tiens, je suis fou là, lui. Il va se faire sa transformation après. Ah ouais? Ça va être compliqué. Hein. Ah oui, vu que c'est du Rainbow Tears. Ah ouais. Il me semblait que tu avais assez dosé le jeu. Mais pas du tout. Si je continue à jouer, c'est juste pour vous prouver que c'est un jeu de merde. Cœur gris, je vous remercie. Bien étonnant ça. Il est énervé lui. Hein. Bon, j'avais dit que je streamerais jusqu'à 17h. Il est un peu tard. Salut Saltadro. Oh, les gens parlent plus dans le chat, ça y est. À force d'insulter mon chat, je les ai saoulés, quoi.
Ça y est, j'ai ruiné ma réputation Twitch. 5 ans de travail, réduit à néant. Il me déteste. Cette salle est vide. Par contre, je peux la bomber. Ok. Très bien. La Twitch cred? C'est quoi la Twitch cred? L'accréditation, tu veux dire? Ok. Pas mal. Qu'est-ce que c'est que ces mecs? Je les avais jamais vus, tiens, ceux-là. Voilà. Mais à quoi sert tout cet argent? Merci à toi, Alvaina. Bienvenue. Merci pour le follow, c'est gentil. Peut-être bomber les flammes bleues, non? On sait jamais. Bon, bah pas cette fois-ci. Street cred, mais sur Twitch. Des rappeurs. Et moi, je connais pas. C'est quoi, du coup, la street cred des rappeurs? Ah putain! Alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être utiliser ma patte. Au cas où, tu vois. Parce que là, je vois rien et j'ai pas envie que ça s'arrête. Voilà, notamment à cause des ennemis comme ça. C'est chaud. C'est là. Ah, la réputation! Ah, la crédibilité! D'accord, d'accord, ok, si, c'est bon, j'ai compris. Change to small spider when you know steel room. Ok. Ah ouais, mais du coup, je laisse mon bigger tears. Mon bigger tears, je l'aime bien. Ça va peut-être être compliqué, on va voir, mais. Non, ça devrait aller. Oh là là, j'en attends plus. J'avais le cœur noir. Le problème, c'est si je me mets devant lui, il va me tirer dessus. Voilà, c'est ça, il va faire ça. Oh fuck. Si, c'est bon. Salut, Kurdil. Ça va être chaud. Ça va être chaud. On va essayer de rester en mouvement. En espérant que Daddy's Long Legs se réveille. Ça devrait le faire. Ça le fait. Et il devait pas y avoir Satan ou Méga Satan ou quoi? Genre ma clé en fait elle me sert à quoi? On est d'accord qu'elle est censée servir à quelque chose cette clé, non? Mais si elle sert à rien, on se casse. Elle sert à rien. Oh là là! La clé va servir après. Mais non, parce que là c'est la fin du jeu. Ah si! D'accord. Ah voilà, c'est pas encore fini. Intéressant. Intéressant. Oh non, putain! J'ai le guppy. Ok. Ok. C'est pas mal.
Oh putain! What? Mais où est-ce qu'il m'a foutu? Qu'est-ce que c'est que cet endroit, bordel? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Enlève-moi ce maudit cursed eye. C'est quoi un cursed eye? Je sais pas de quoi vous parlez. Ok. Mais c'est quoi? C'est que des boss en fait. C'est quoi le délire? Oh putain. What? Vous êtes sérieux? J'ai débloqué Nécropolis. Ok. Power pile. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À garder, à utiliser plus tard. En vrai, la run commence à être pétée. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je prends la grande porte ou pas? Attends. C'est quoi le nom de l'endroit où on est là? Il y a un nom peut-être? Ok. Ok. Le chiol, c'est ça? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, alors lui, ça peut être merdique. Attends, on va utiliser le bouc. Voilà, parce que j'ai peur qu'il me roule dessus. Tel un jeune streamer indé qui roulerait sur le Twitch game. Ok. Ça, c'est bon. Double monstro. Ça devient sportif là, ce run. Hein. Le curse risque de faire perdre cette run. Oh là là, je comprends plus rien. Il y a trop de complexité dans ce jeu. Sagittaire. Pénétratif plus speed-up. C'est pas mal, ça. Pour une fois que j'ai pas un item de merde. Ok. Ok. Ça, je l'ai déjà faite. Il manquait les bombes. De toute façon, avec le Rainbow Shots... Putain, il a essayé de me... Il a essayé de me pounaide. What? Ok. Si tu te fais toucher et tu te TP, contre les boss, ça va être chiant. Si elle cherche pas ses tirs, elle est safe niveau TP. Mais en fait, au Rubik, je lis le chat. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en fait, je comprends pas la moitié de ce que vous dites dans le chat. Je suis pas comme tous les streamers qui ont 1500 heures de jeu dessus, tu vois. Moi, tu me dis, vire ton cursed of the je sais pas quoi. Je sais même pas ce que ça veut dire, en fait. Tu vois, moi, en fait, il est là le problème, quoi. Là, depuis tout à l'heure, dans le chat, vous me dites de me débarrasser d'un item. Je n'ai pas la moindre idée de comment on se débarrasse d'un item, quoi. Je cherche pas ton tir.
Bah oui, mais comment je fais pour faire des dégâts? Si je charge pas mon tir, je vais faire des dégâts de merde. Tu vois? Et là, en plus, je suis en train d'en prendre, quoi. Donc, il y en a qui expliquent bien. Ouais, ouais, mais bon, des fois, il y en a qui expliquent bien. Et en fait, c'est des pièges, tu vois. Donc, contre le boss... Ah! Tour Spade, ouais. Ça, c'est quoi? Power Pill? Bon, j'utiliserai ma Power Pill contre le boss si je le sens trop mal. C'est quoi comme boss, là, qu'on va battre? De l'ambe. Je l'ai déjà fait, lui, ou pas? Oh, shit. Ok. Ok. Ah! Oh, putain, c'est encore l'embrouille. Je le fais ou pas? La dernière fois, c'était bien. Mais on le fera la prochaine fois. On le fera demain, si vous voulez. Ah, pas de victory lap. Pas la grande porte du tout début, du coup, c'est ça? C'était où, la grande porte? C'était pas là. Ça, c'est quoi? Oh, un petit ball of steel. Ok. High tech. Et ça, c'est le power pill. Donc, on teste ça. Ah, méga Satan! Putain, mais c'est la première fois que je le bats. Ah! Vous croyez que j'ai mes chances ou pas? Ah ouais! Alors peut-être que Daddy Longlegs peut être pas mal pour ça. Ok. Ah merde! Et là il faut pas que je charge non plus. C'est compliqué vos histoires là quand même, hein. Oh, bah ouais, mais non! Eh ouais, c'est ça, le problème, c'est que si je fais une seule charge, quand je me fais toucher, ça va me retransmettre. Ah, c'est pas ouf, cette histoire. Ouais, c'est une sale histoire, cette histoire. Ouais, donc... Batterie plus pâte. Ah bah oui, là, au point où j'en suis, c'est la pâte. Hein. Ouais. Ok. Donc, surtout... Ne pas charger, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut se concentrer sur un... Oh shit! Je me concentre sur une. Ok. Ah là, on peut pas lui faire de dommages, c'est ça? Ok. Ah
Ok. Ça passe. Salut Gecko. Merci à toi pour follow, c'est gentil. Bienvenue dans un méga Satan complètement piffé. Première fois que je me bats réellement contre lui, puisqu'en fait j'avais essayé lors du challenge, mais j'avais que des stuff pourris. Dommage. Ok. Reste sur le côté. What? Ah oui, lui c'est le mec que j'avais battu dans le... Oh putain, ils sont deux. Non, attends, j'ai battu le premier. Ouais. Le stress se fait ressentir, la musique est parfaite. Ok. J'ai encore mon power pill là. Ça, c'était à sa première forme. Ok. Ok. Je sais pas si c'est très, très bien optimisé, mais... Ok, deuxième forme. Ah, c'est tout. Oh putain, je pensais que ce serait beaucoup plus dur que ça. Oh nice. Premier méga Satan battu de façon legit dans un run complètement monumental qui était très 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 mal barré. Merci à toi Simu35 pour le sub. Ah, thanks my fucking god. Oh mon dieu, c'est maintenant qu'on sort l'emote. Thanks my fucking god. Ah, damn son, you just hit with the wow effect. Quel run. Quel run incroyable. Oh là là. Deux fois, je me suis retrouvé à un demi-cœur. C'était tellement dur. Merci beaucoup, Graou, pour les 6 euros. Incroyable. Incroyable. J'y pensais tellement pas. Je pensais tellement pas que j'arriverais jusque-là. Merci malgré tout hein, pour les conseils, les gens du chat. J'ai unlocké Destroyer. Sûrement beaucoup de choses intéressantes. Mais ça sera pour la prochaine fois. A bientôt YouTube. Merci d'avoir regardé cette VOD. Incroyablement. J'allais dire pénible. Enrichissante. Ah putain.